Bonjour Paulette. Bonjour, bonjour Monsieur Tricoche. Comment allez-vous? Ah ben ça va, merci beaucoup. Heureuse. Ça va bien? Heureuse de faire votre connaissance, heureuse d'être là aujourd'hui. Eh bien, écoutez, c'est un honneur pour nous parce que franchement, vous réalisez de très grandes performances. Mais peut-être avant de discuter de tout ça, est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter, Paulette, pour le public qui visionnera cette vidéo? D'accord, donc je suis Paulette Bonnès, j'ai 50 ans, j'ai trois enfants, un super mari et je suis esthéticienne. Je suis guyanaise, donc ma mère est amérindienne, je suis née en Guyane, ma mère est amérindienne de pure souche et mon père vietnamien. Et donc j'ai toujours vécu en Guyane. Et nous sommes en Guyane, en Guyane française, en Amérique du Sud, et tout à côté du Brésil, voilà. D'accord, donc à Cayenne précisément, hein. À Cayenne, moi je suis sans Cayenne, voilà. Parfait. Alors Paulette, outre le fait de vous remercier encore une fois d'accepter effectivement cet entretien, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et quand en fait vous avez rejoint Cérule? Alors pourquoi? C'est déjà un hasard? Je ne connaissais pas Cérule. J'ai découvert Cérule grâce à une amie, alors que je remercie d'ailleurs, hein, parce que sans elle, je n'aurais pas pu connaître Cérule, ni cette aventure. C'est Marie-Josée Constable, qui est une amie de longue date, qui a pensé à moi et qui est passée me voir. En fait, elle m'a d'abord appelée pour me dire qu'elle avait quelque chose d'extraordinaire à me proposer. C'était la période de fin d'année. Et sachant que je suis esthéticienne et que au niveau du travail, on avait quand même, c'est une période assez faste hein, pour nous. Elle voulait que je sois en forme et que je ne tombe pas du tout malade. Alors je lui ai dit, ah bon, ben écoute, c'est gentil. Sauf que là, je préfère te donner rendez-vous l'année prochaine. Elle me dit, non, 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 pas l'année prochaine. Il faut vraiment que je peux pas t'expliquer ça comme ça. Il faut connaître ce produit. Je veux passer. On se donne rendez-vous et à ce moment-là, il est un peu tard. Je ne termine pas le travail et je lui dis, bah, je suis désolée. Il faut qu'on se revoie. Et elle me dit, bah, écoute, Paulette, franchement, je veux vraiment te présenter ce produit. Et je vois qu'elle est un petit peu embêtée et donc je lui dis, ben, écoute, donne-moi les mots-clés parce que je suis esthéticienne, mais je suis aussi nutritionniste hein, depuis un an et demi. Et donc, je lui dis, donne-moi les mots-clés de ce produit. Et ma grande surprise, je lui dis, non, c'est un produit qu'il faut absolument connaître parce qu'il a l'air d'être très intéressant. Et je lui dis, ben, écoute, le 31, je viens me faire coiffer chez toi et on en discute. Effectivement, j'y vais. Et pendant qu'elle me coiffe, elle me présente le produit. Ensuite, elle prend son ordinateur, elle me lance tout le processus découverte des produits. Et je lui dis, mais ton produit, il est formidable, je le veux tout de suite. Elle se met à rigoler. Et donc, je lui demande comment faire. Elle me dit, ben voilà, tu peux commander le produit, je peux commander les produits pour toi, puis tout. Et donc, elle me fait la commande. C'était le 31 décembre, je me souviens. Et je pars à l'hôtel avec mes petites gélules. Je les prends et je me sens le soir avec une pêche d'enfer. Le lendemain, je me réveille, je suis toujours en forme alors que j'avais subi 2 mois intenses. Et la petite anecdote, c'est que en fait, elle m'a demandé d'essayer ce produit pour ne pas être fatiguée. Sauf que pour les fêtes, j'ai dû travailler pour aider mon équipe alors que je sortais d'une très lourde opération. J'étais pas bien du tout et j'ai fait l'effort de venir chez elle, mais j'ai tout fait pour ne pas lui montrer que j'étais malade à Marie-Josée. Et donc du coup, elle n'a pas remarqué que je sortais de l'hôpital. Je suis restée à l'hôpital. Lors de ma lourde opération. Et en ressortant de l'hôpital, j'étais sur chaise roulante. Ça m'a beaucoup choquée. Je suis ensuite rentrée à la maison. Ça a choqué mes enfants d'ailleurs de me voir comme ça. Et en rentrant à la maison, je suis restée après 1 mois et demi.
à lutter. Et ça, c'est, ça m'avait aussi choquée parce qu'en fait, c'était la première fois que je me faisais opérer et je ne m'attendais pas à être dans cette position. En plus, j'avais laissé tout comme ça, en plan mon équipe, l'institut, mes clientes, et c'était vraiment difficile pour moi. Et donc, c'était pour moi une opportunité d'essayer ces produits parce qu'elle m'a fait comprendre que non seulement j'aurais un bien-être, mais aussi, elle me dit aussi, ce produit, tu verras, il répare, il est extraordinaire, mais tu vas voir. Effectivement, je teste le produit et je me rends compte que, parce que j'avais du mal à marcher, je ne pouvais plus m'accroupir, je ne pouvais plus porter ma petite fille, je ne pouvais plus faire tout ce que j'avais envie de faire et même travailler, parce que je restais que, pour les fêtes, je restais que 30 minutes à l'institut et après je partais, je disais au fait, je ne peux pas tenir, je ne peux pas rester debout, je ne peux pas rester assise, il fallait que je rentre. Et en fait, ma convalescence était très, très lourde, mais bon, j'ai fait avec. Et donc, je me rends compte que depuis que je consomme les produits cérules, j'ai la vitalité, j'ai la force, j'ai la mobilité, je remarche, je m'accroupis, je fais tout ce que j'ai envie de faire. Et je me dis, mais c'est extraordinaire, c'est impressionnant. Et j'appelle Marie-Jo, je dis, Marie-Jo, ton produit, je le veux. Et je connais pas mal de monde qui ont un problème de bien-être, de santé, de tout. Et je voudrais que ces personnes découvrent ce produit aussi. Elle m'explique le processus. Et tout d'un coup, je me dis, non, mais c'est pas possible. Je veux pas laisser toutes ces personnes comme ça, en mauvaise santé, avec un mal-être. Il faut présenter. Et je me mets à parler à tout le monde. Avec simplicité, je parle à tout le monde du produit, de ce que ça m'a fait. Et les personnes adhèrent et adhèrent et adhèrent et adhèrent. Et ensuite, Marie-Jo me fait comprendre que, félicitations, j'ai un cas, ensuite trois cas, ensuite sept cas. Mais je dis, mais qu'est-ce que c'est tout ça? Et elle me fait comprendre que, bah, écoute, Cérule te rémunère parce que tu partages le produit. Je dis, ah bon? Il me dit, ben oui, tu verras que non seulement tu as un produit excellent, mais en plus, tu es rémunéré parce que tu partages. Et moi, je lui avais déjà dit, à Marie-Jo, je veux partager. Donc, en fait, elle m'avait automatiquement inscrite en tant que distributrice. Mais comme c'était la période des fêtes et puis on était un petit peu à la bourre, tout et tout, j'ai testé d'abord le produit, j'ai partagé, j'ai partagé à tout le monde avec simplicité. Tout le monde a adhéré et je me suis retrouvée à faire, comment dirais-je, une performance qui a étonné certaines personnes. Et ensuite, j'ai posé plein de questions. J'ai demandé à Marie-Jo, mais écoute, comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce que ça nous apporte, etc. Parce que ça a été très vite. Donc, entre le temps où elle faisait ses réunions, moi, je faisais mes réunions, en fait, on faisait des réunions, je m'adaptais à toutes mes clientes qui me proposaient de découvrir ce produit. Parce qu'en fait, pour découvrir le produit, il faut présenter le produit. Et comme j'étais toute nouvelle dans la présentation, Marie-Jo, qui est devenue ma marraine, parce que c'est elle qui m'a proposé le produit, elle m'a épaulée et m'a permis de présenter à toutes mes clientes son produit. Et je regardais comment est-ce qu'elle faisait. Et j'étais toujours dans mon petit coin à côté d'elle et je faisais comme si je présentais derrière elle, mais je ne présentais pas parce que j'étais en train d'écouter. Et au bout de la troisième présentation, je lui dis, ah non, il faut que je présente parce que Marie-Jo, ça lui fait beaucoup de travail et il faut présenter parce qu'elle aussi, elle avait sa clientèle. Et donc, j'ai commencé à m'équiper parce que je trouvais que c'était nécessaire de le faire pour décharger mon parrain, ma marraine, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai acheté mon rétroprojecteur, j'ai acheté mon écran, je lui ai demandé, mais tu pourrais me passer ta clé USB pour avoir la même chose que toi? Elle m'a dit, bien sûr, c'est dans le processus, donc je te le donne. Et puis, elle rigolait tout le temps, elle me dit, mais tu es motivée, c'est super, je suis contente, parce que c'est comme ça qu'on aime les personnes qui apprécient le produit
Et donc, voilà comment ça se passait. Et après, elle m'a beaucoup épaulée. Elle m'a beaucoup entourée. Et ensuite, j'ai eu l'appel des uplines, c'est-à-dire le parrain de Marie-Jo. Et ils m'ont félicité. Et ensuite, ils sont venus en Guyane. Donc, j'ai fait, je suis arrivée à 7K, 7-5. Et en arrivant à 7-5, Dominique Renfort est arrivé en Guyane pour me propulser, on va dire ça comme ça, pour m'apprendre plus sur le cérule, ce qui m'a permis d'arriver à 15K. Et j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup regardé, je me suis beaucoup formée, parce qu'en fait, au départ, j'étais là pour partager. J'avais pas encore vu le côté commission, tout ça, j'avais pas encore. Parce qu'en fait, quand on découvre Cérule, ce qu'on a envie, c'est de partager tout de suite l'information, de dire que ce produit fait du bien et qu'il faut l'avoir dans sa vie. Parce qu'une fois qu'on a Cérule dans sa vie, quand on découvre Cérule, ah ben on le garde à vie en fait. Mm-hmm. Et moi, je suis sûre et certaine que je l'aurai pour tout le temps. Et ce que j'ai fait quand j'ai fait ma première expérience, j'ai tout de suite couru vers ma belle-fille qui avait un gros problème une pathologie et qu'elle n'arrivait pas à soigner depuis 2005. Et en 4 jours de consommation, elle a commencé à avoir des résultats. Et quand elle a eu ses résultats, on s'est serré dans les bras parce que je savais très bien qu'elle allait avoir du résultat. Elle n'y croyait pas parce qu'elle s'est dit « ce n'est qu'une plante ». Et je lui dis « les plantes, c'est extraordinaire. Ça ne peut que te faire du bien. Essaye. » Et elle a essayé. Et je vous promets qu'elle a pris l'avion après un mois pour montrer à son médecin les résultats. Parce que le médecin lui avait dit « faites avec parce que vous n'aurez pas de résultat ». Et oui, elle a eu du résultat. Je confirme que Cérule vous donne du résultat. Et il suffit juste de consommer et vous voyez, tout s'enclenche. La réparation, l'épanouissement, on est bien dans sa peau et on ne fait que partager. Elle est distributrice maintenant parce qu'elle a vu le résultat. Elle n'y croyait pas. Elle ne pensait pas avoir un résultat aussi rapide. Et au bout d'un mois, on a franchement un résultat plus que exceptionnel. Et je suis conquise. Et dans ce que j'ai fait, j'ai fait toute ma famille, mon mari, mes enfants, tout le monde adhère à Cérule. Et après, toutes mes clientes. Et maintenant, lorsque je suis à l'extérieur, je peux aller chez le fleuriste ou ailleurs, n'importe où. Je partage. Et c'est la simplicité que j'ai, c'est de partager le produit. Et après arrive le reste. Mais et au-delà de cette simplicité, parce que l'histoire est absolument magnifique, ça nécessite un tout petit peu d'organisation. Donc, du coup, comment vous communiquez avec votre équipe? Et puis surtout, qu'est-ce que vous avez mis en place? Donc, du coup, vous vous êtes équipé. Donc, maintenant, vous avez... transformer une petite salle pour pouvoir justement faire les présentations. Décrivez-moi combien de présentations vous faites par semaine et puis quelles sont les transformations que vous observez. Et est-ce que c'est uniquement les compléments alimentaires ou uniquement la cosmétique ou est-ce que c'est les deux? Alors, au départ, j'ai connu Cérule par hasard. J'ai partagé le produit. Ensuite, j'ai compris que je pouvais... avoir des commissions et donc j'ai tout de suite été sur mon back office parce que lorsque vous êtes distributeur vous avez un back office où vous êtes on va dire très bien orienté parce que vous avez toutes les informations sur les produits, toutes les fiches techniques, il y a tout pour que vous puissiez démarrer parce que je n'y connaissais rien sur le principe de Cérule. Et donc, lorsque Marie-Jo m'a dit, écoute, tu peux gravir des échelons, tu peux avoir des commissions, il y a des commissions de rapidité, il y a ceci, il y a cela, elle m'a donné tous les rouages. Je suis quand même allée sur mon back office et j'ai regardé et je me suis formée
tous les jours, pendant la première semaine, tous les jours, docteur Trénard et toutes les personnes qui font partie de ces rues, j'ai pu visionner, revisionner, parce que je suis très visuelle et au niveau de l'écriture aussi, j'écris, je prends mes notes, tout et tout. J'ai été voir aussi tous les uplines, hein, le chairman, les présidents, j'ai écouté, et donc ce que j'ai fait, j'ai bien tout récupéré et je me suis dit, bon voilà, on ne peut pas monter des échelons sans avoir une organisation. Et donc ce que j'ai fait, la première chose, je me suis équipée, ensuite j'ai déterminé une pièce pour commencer à m'entraîner. Alors je m'entraînais le dimanche toute seule avec ma petite fille et je faisais les diffusions de mes vidéos. Et au moment où je me suis sentie prête, parce que c'était Marie-Jo au départ qui faisait les présentations, Dominique Renfort, d'ailleurs je remercie Dominique et sa femme Maggie, et puis aussi Emmanuel, que je ne connais pas mais que j'ai des fois au téléphone, et toute l'équipe, hein, parce que c'est très accessible. Et tout ce qu'on a, tous les conseils que nous avons besoin, on peut avoir tout ce qu'on veut à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, et on est très bien soutenu. Et donc, je me suis dit, bon voilà, mes parrains me demandent, ma marraine et le parrain me demandent de bien suivre la ligne de conduite pour pouvoir monter. Et donc, ben, ce que j'ai fait, j'ai installé, mis en place une salle. J'ai fait la liste de toutes les personnes que je devais contacter. Ensuite, j'ai programmé des séances de découverte, santé découverte, et j'ai donc fait un calcul, hein, parce que on nous donne une méthode de calcul pour avoir la rapidité, la capacité de faire les cas, 1 cas, 7 cas. Et donc, je me donnais un objectif tous les soirs. Donc, tous les soirs, pour le lendemain, je me donnais un objectif de nombre de présentations. Et donc, au niveau de la présentation, je fais tous les jours des présentations. Après le travail, je me mets à une présentation d'une heure et demie ou plus 2 heures. Mais je le fais parce que déjà, ça me permet de partager le bonheur d'être de rentrer dans le groupe Cérule, aussi bien en tant que distributeur mais aussi en tant que consommatrice. Et puis je fais beaucoup de femmes heureuses, beaucoup d'hommes heureux. Depuis que je fais Cérule, je suis très épanouie parce que je suis heureuse de savoir que les personnes que j'aime ou même les personnes que je ne connais pas, que j'ai déjà abordées, sont en retrouver la santé, en retrouver le bonheur, le bien-être. Et ça, c'est vraiment le plus beau cadeau. C'est les commissions, c'est une chose, c'est le travail, c'est une chose, mais c'est cette richesse, c'est d'avoir toutes ces personnes qui sont autour de vous. Vous faites du bien en fait autour de vous. Ça, c'est vraiment important. Ça crée de l'énergie finalement positive, hein, autour de soi. Donc nous-mêmes, on le ressent, on inonde entre guillemets de cette énergie, puis finalement cette énergie nous revient quasiment. Oui, nous porte. Nous porte. C'est ça. Et c'est vraiment. C'est fabuleux. C'est fabuleux d'entendre votre témoignage. Donc du coup, aujourd'hui, alors si j'ai bonne mémoire, vous avez fait 1 cas, 3 cas et 7, 5 au mois de janvier. Puis vous avez fait 15 cas au courant du mois de février, hein, il me semble. Et puis là, aujourd'hui, vous en êtes maintenant à plus de 110 personnes, je crois, peut-être même 115. 121 personnes que vous avez donc parrainées depuis le début de l'année, hein, puisque du coup vous avez signé votre contrat quasiment début janvier, hein, a priori. Oui, le 5.
le 5 janvier. Donc, bah, vous êtes en course, effectivement, toujours et d'ici à la fin du mois de mars pour potentiellement gagner eh bien, ce grand cadeau qui serait donc, d'aller à Hawaï. Donc, vous avez une progression absolument fulgurante. Quels sont les conseils que vous auriez envie de donner à toute personne qui démarre dans cette activité? Quels sont les secrets de votre réussite, tout simplement? C'est la simplicité de partager. Parce qu'en fait, lorsqu'on consomme Cérule, on a tout de suite les bienfaits du produit. Et on sait exactement ce que ça a soigné, ce que ça nous a fait, ce que ça nous a apporté. Donc, en fait, c'est ton premier témoignage. Et ça déclenche, on va dire, la conviction, la confiance, la foi de ce produit, parce que vraiment, c'est un produit naturel. Donc, tout le monde est à la recherche d'un produit naturel, de qualité. On a une grosse équipe de chercheurs qui font tout pour avoir le maximum au niveau de l'efficacité du produit, et ça c'est super. Mais voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est il y a l'expérience, le fait de consommer, parce qu'il faut être consommateur pour savoir ce que ça vous fait et savoir en parler aussi. Et c'est sûr que même si on démarre de rien, on est vraiment entouré par toute une équipe, donc on a toutes les informations. Vous êtes accessible, et par contre, ce qui est important, c'est d'apprendre, d'être formé, et ensuite de partager et de former aussi. Parce que moi, je suis à cette phase-là où je forme mes équipes, où je présente pour mes équipes, mais j'apprends à présenter aussi de façon à ce qu'elles puissent être autonomes aussi, et qu'elles puissent arriver à monter les échelons comme moi-même. Comme d'autres, et pour cela il faut une rigueur, il faut une stratégie, parce que j'aurais pu très bien après le travail faire autre chose, mais je préfère me consacrer à mon entreprise, parce que je suis dans une grosse bulle d'entreprise, mais nous sommes chaque personne, nous avons cette petite entreprise pour développer ces rues, et donc ça ne se fait pas comme ça au hasard. Il y a une stratégie à faire pour pouvoir pour avoir une bonne ligne de conduite et pour pouvoir bien le faire. Donc voilà, si quelqu'un veut s'aventurer, il n'y a pas du tout à hésiter. On n'a pas hésité, parce qu'en fait tout le monde a besoin de confort de santé. Tout le monde a besoin de finances. Et donc, ce qu'on fait au départ, en fait, moi, ce que j'ai fait au départ, c'est que oui, c'est vrai que j'ai partagé. Mais après, je me suis dit, si on est rémunéré, si on a des commissions, je me mets des objectifs. Et ces objectifs vont permettre d'avancer beaucoup plus vite, parce qu'en fait, moi, j'ai des objectifs. Et en fait, je fais tout pour arriver à ces objectifs. Je me donne des objectifs tous les jours. Après, je me donne il y a les objectifs pour pouvoir travailler, pour les atteindre, et les objectifs de vie, en fait. Donc, c'est ça. Et donc là, vous êtes peut-être en route déjà pour le 25K sur le mois de mars. En tout cas, ça peut peut-être faire partie de vos objectifs. Maintenant que vous avez vu... Exactement, ça fait partie de mes objectifs, mais je suis déjà sur les 50, l'objectif des 50. C'est ça. N'étant qu'une étape, finalement. Voilà. Voilà. Mais du coup, voilà, pour l'instant, vous vous êtes fixé sur 50K parce que vous avez maintenant vu le plan, vu comment ça fonctionnait. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous avez aussi parrainé des distributeurs qui, eux-mêmes, peut-être, vous êtes en train de travailler avec eux sur leurs objectifs personnels pour qu'eux-mêmes puissent potentiellement progresser. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai présenté
une réunion, j'ai fait une présentation pour deux distributeurs, dont une qui est passée à C3K. Et objectif maintenant, si c'est C3K, avant la fin du mois. D'accord. Et donc, voilà, ça permet à chaque personne, non seulement de partager ce fabuleux produit, mais aussi de développer des revenus financièrement à l'aise, on va dire. Super. Bon, bah, écoutez, moi, je suis ravi. Merci beaucoup, Paulette. Et puis, bah, je suis sûr que ça, c'était la première interview, mais il y en aura bien d'autres dans le futur. Donc, bah, moi, je me réjouis, bien sûr, de vos résultats, de vos résultats d'équipe, parce que vous l'avez bien dit, c'est toute une équipe. Et puis, bah, toute l'équipe interne, entre guillemets, des salariés de Cérule qui sont là pour vous soutenir, vous félicite pour ce superbe départ, on va dire. Mais ce n'est qu'un départ, parce que il y a un chemin vraiment très intéressant à mener dans les mois et les années à venir pour vous développer vraiment. Mais en tout cas, vous avez absolument tout ce qu'il faut pour réussir chez Cérule. Donc, encore une fois, félicitations de la part de toute l'équipe. Et puis, merci pour tout ce que vous faites, parce que finalement, vous avez tellement bien résumé dans cette interview tout ce qu'il fallait faire. C'est de la simplicité, c'est du partage. Un petit peu d'organisation, de la formation et de la communication, tout simplement. Et ça, c'est les mots-clés, et je pense que c'est les mots magiques. En tout cas, je... Ce n'est pas du tout contraignant. Il ne faut pas le prendre comme ça, parce que c'est vraiment... C'est un plaisir. C'est un plaisir, en fait. On va dire c'est un plaisir, parce qu'on apporte toujours, en se formant, on apporte un plus. À la personne qui est en face de vous, qui a besoin de réponses. Et puis, franchement, si on s'organise, c'est pas du temps perdu. Au contraire. Loin de là, ouais. Voilà. Mais je vais quand même féliciter toutes les personnes qui se sont inscrites sur ma lignée. Mm-hmm. Les distributeurs, elles font des efforts. Elles vont aussi certaines décoller, et ça c'est bien, l'effort de présenter, de proposer le produit, aussi remercier ma marraine, Marie-Jo, je ne peux que la remercier, et ça ce sera tous les jours. Merci à Dominique Renfort qui m'a beaucoup aussi permis de connaître plus sur le réseau, ainsi que sa femme Maggie au niveau ses conseils. Je suis vraiment bien entourée, et puis que la vie continue avec Cérule, parce que c'est une très belle aventure. Super. Bon, merci Paulette. Je vous laisse finalement continuer votre journée, parce que je suis sûr qu'il y a encore des présentations qui sont prévues. Tout à l'heure. Et puis, encore une fois, on est vraiment très heureux de vous avoir, et vraiment félicitations pour tout ce que vous faites au quotidien. Donc, merci beaucoup. Et merci. Puis, à très bientôt, Paulette. À très bientôt. Merci. Au revoir.